stade couvert d'athlétisme, c'est un lieu particulier. C'est un endroit où on vient faire du sport lorsqu'il fait mauvais dehors. Et je pense que toute la réflexion a été faite autour de ce thème, faire en sorte qu'à l'intérieur, on ait l'impression d'être dehors. Alors finalement, avec cette idée qui peut-être paraît un peu simple, mais en même temps, je trouve ici qu'il marche assez bien, qui est en même temps très économe, point de vue énergie, parce que ça me permet en effet d'avoir beaucoup de luminosité à l'intérieur et de se servir de façon complémentaire uniquement des appareils d'éclairage et des éléments de chauffage. On se trouve dans un espace qui est déjà très lumineux, qui est très agréable et qui en même temps est en relation permanente avec le dehors. On n'est pas du tout dans une caisse, on ne se trouve pas du tout dans des espaces fermés, on est dans un espace ouvert. Et c'est ça qui est agréable, on voit la ville, on voit les voitures qui passent dans le boulevard, on voit, lorsqu'on court, on court près d'une vitre, cette vitre elle suit la forme du stade, c'est une vitre qui est arrondie, qui suit la forme de la piste, voilà.